Bien, il y a une sœur Rachel Koi. Rachel Koi. Qui a commencé. Venez ici, sœur Rachel Koi. De commencer Rachel Koi Yaka Awa. Qui a commencé à me critiquer. Ye a commencé le roi Kobanda Kotongangai. À cause de ces choses qui se passent ici. Et Dieu lui a parlé et Dieu l'a frappé. Le même jour. Kaka mokolomoko wana. Il est où? Elle est où? Qu'elle vient d'ici pour donner un témoignage. Aïa, aïa. Et sa jambe, une plaie est sortie. Dans sa jambe. Et la peau est partie. Et Dieu lui a dit de venir pour que je prie pour elle. N'entrez pas dans ces problèmes. N'essayez même pas de critiquer le pasteur Baruti. Je ne suis pour rien. Jésus est dans la barque. Est-ce que tu peux dire toi-même ce qui s'est passé? Rachel Koi. Les Camerounais et les Kinayo. Les Camerounais et les Kinanga, ils avaient qui j'ai dit n'attend, na butu na lali non l'ota. Pasteur a prêché, pasteur a calmé le télé, mais a tiré ma bouche en poche, bah comme ça au ganga, mais pasteur a dit qu'à qui mien. N'aibisi maman, maman, na mo loko à l'église engé, mais maman a divisé pour prier. Mais na prier qui peut. Vendredi, petit frère dans l'Angola, ben maman, elle fait un problème, il y a les kakuna. Maman, bien habité où? Parce que comme on va maman, bien ah, tout en internet. Ton côté, tant ton moniango, na les laki, na côté na chambre, on a dit Seigneur, pourquoi ni maman baboué? En tout cas, on a moni, la rendez pasteur, elle a tout le linga pasteur, on y a son linga, j'ai pas ma case. Na mando les na chambre, on a dit ah, c'est pasteur Kalumbo, ma c'est l'église, na l'enquête. D'après on a dit tant, nous avons belimbi sanga. Non, Zaka derrière pasteur. Mais après ça, je me suis dit que le pasteur a commencé dur. Je me suis dit que le pasteur a commencé dur. Dans la loba qui est belle caca, nous quand même on s'est planté. Dimanche, bah frère on connait mon yeux. Natouni n'a bi frère ramni les caca. Et puis sinon t'es bon et bon. Eh, on a nini. Parce que nous madame mon coup. Elle a pas raison. Et puis on est encore long. Après ce qu'on court sur la caca t'es. Et nous on est tous on est tous ensemble. On est les boys. Dans la loba qui est belle, dans la loba loba. Frère on a pas fini à t'es. T'es caca on a bien commencé parce que on a tout voté. Nous sommes là on voté. On a tiré. N'importe parce que calum. Je suis allé à la maison. Na la mouki na koti na douche na sokoli tant que le bandeau sokola boye na mon roi moutmo et telemi na ki bote mon boye na mon été olina bomba yo olina bamba yo koufa otika bana nuka ndole na douche na tango bayo koutou yo koufa ozo saka na moussaï na ngaï na mon ki on le roi aventir na bi ou zeni na zoko le roi mongo na moutou na matoui na ngaï olina koufa ma kamino se mobile na lelo ba ke bandoki menga na kelo na zuyo
nous réel, nous avons dit que nous avons dit que et moi, je suis un souverain sacrificateur. Je suis un souverain sacrificateur. Je suis un placé en français. Je suis placé en place. Je suis un droit à juger. Je suis un limbi pour la première fois. Mais je suis un homme qui a frappé mon temps sur le cambo. Qui n'est pas guy. Qui n'est pas guy. Qui a prié pour la yo. Je suis un homme qui a non, je suis un homme qui a été en salle. Mais je suis un homme qui existe. Na yo ki mbonga nzambe na fuka mi desa mwana fuka mwana kina bise tenye limbi sangai na za mwana na wana za bana mi bali fona boko la kobo mangate nzambe epsi na kene pa petit frère na priye po na yi na kina la mti petit frère na wana priye po na yi na kote suna chambo na kobo mwana kutu ndenge wa ibisi likino eko ma temwanya shpe alo be pa batuke grande sœur na nga epsi nga boye 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 ko tika bana na keba na kolo bilo balo na bise tenye na nga pasteur na nga mingi na bonde li kano bin zambe za ki passe nte sele nga bon premier fois final bon makambo na ko lo bati mais aib singa na kunda ba singa okuta na passe pagi na bina okuta ni ndingi ni mercredi na epi na ton ndi na ka d'habitude na te bon mo pe pagi na bi gloire à dieu ndi na mo pona ton oya na nzela na bana li ko lezo so na ife ku mama na ko lo kwa moto ezo bi mali ko ezo bi msaba mai pour te la telle nga mo bona ka na somme Namando ya pina mwi pagi to prier pina ici pagi pagi pa assembly pona nga efinga fukuta na pasteur ti après na keipe na yo zo masuba di 7 heures na kutena pagi pina miracle na kutena pina pasteur na miracle na snipe ici pasteur pasteur a prier pona na 5 pasteur bolimbi ici nasi. J'avais déjà prié pour elle. Nasi na bondela ki pona yi. Je vais le faire encore maintenant. Kasi na rose bondela so pona sikoyi. Moi je lui ai pardonné. Ngai na limbisi ye. Et j'avais demandé à Dieu de lui pardonner. Na senga ki pena nzambe ete alimbisa yi. Maintenant elle est un peu bien mais calme. Ah, elle pleure déjà. Quand elle m'a parlé pour la première fois elle ne faisait que pleurer. Sikoyi azama malamu. Tango alobela ngamba na liboso azaika kolela. C'est pour ça que je voulais qu'elle donne ce témoignage ici. Yangwana nalingaki apesalita toli oyo. Ah. Vous avez écouté. Bino moko boyoki. Seigneur Jésus, kolo Yesu. J'avais prié. Na bondela, je prie encore. Na bondeli sous. Que cette plaie là se cicatrise. Et te pota wana ekauka. Moi je lui ai pardonné. Ngai na limbisi. Pardonne la Seigneur. Limbisa yenkolo. Je demande ton pardon sur elle. Na singi bolimbisi na yo ikolo na yi. Enlève ta main, Seigneur. Longola loboko na yo kolo. C'est ta fille. Azamo ano amwasi. Moi je lui ai pardonné. Ngai na limbisi. Toi tu es plus bon que moi. Yo oleke ngai na malamu. Pardonne-la. Limbisa yi. Que cette plaie disparaisse. Et te pota wana elimwa. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bien, malam. Je crois que vous tous vous attendez ce qui se passe maintenant. La kanise de binonyoso bozali kozela koyoka likolo na makambo ezali koleka na sasa ipi. C'est ça. Et à Bongo. Et quand je vais en parler, Tango ngai naza kolobelango boye, ça va s'arrêter aujourd'hui. Kaka lelo ekosila. Que personne n'en parle. Moto alobelango lisusu te. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me croire? Est-ce que Bongo ko ndimela ngai? Je vais vous dire la vérité. Nakolobela bino solo. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Bible le biete bokoyeba solo.
Et la vérité vous affranchira. Pe solo et kokango labino. Dans Luc chapitre 17, na Luca mokapoyazomina sambo. Verset 1er, il est dit. Zana liboso elobami. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. C'est que même si vous faites n'importe quoi, le scandale viendra toujours. Jésus dit à ses disciples, Matthieu 17, 1. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Vous pouvez dire amen à la parole de Dieu. Merci. C'est la parole. Et c'est Luc 17. Ezali Luc quoi? Non, Luc 17, s'il vous plaît. Ezali Luca Zomina Sambobolimbisa. Luc 17. 1. Nzela liboso. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ekoki kosali matete mobulu ezanga kozala. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Kasi mawa naye oyo mobulu ezali kokotela. 1. Dans la réunion annuelle d'évaluation et d'autocritique, Yaliboso na mayanga ni oyo basana nzambe basaka na suka mbula nyoso ya kotala misaba sali pe ya kolobana mabe oyo monisa maikat na misala de fin de l'année 2014 oyo ya suka na mbula oyo kote bale na zomi na mine qui s'est tenu du 28 au 30 décembre 2014 et qui s'est poursuivi le lundi 5 janvier 2015. Je voudrais qu'on projette ce que Mama Kalumbu avait dit. Nalingi bakoka kotalisa oyo Mama Kalumbu alobaki. Dans cette église devant la chaire. Nakad na losambo liboso netelo. Si ils sont prêts. Soki bazali pene. Bolimisi Mama Landu. Ngai. Moi si ya Kalumbu. Naza mabe. Naza hypocrite. Naza insoumise. Nato sa capacité. Soko na moni ser baruti. Toko pesa na mbote ya faux semblant ya mbote me mbote te. Bolingo ezalaka na bisote ezana mama land ezana sur mali ngana benga kai chingu tapo azamwana sot pesa ni mbote ezaka faux semblant ya mbote chaque fois po to solo la kate to kominya kate to visita kate to lia kananda kwa mutu moko te Tozakabo, Kasobo, Moni Bisoboye, Moni Telegaboye, Afondeni, ici, Wanakaka ici. Mais ce qu'on dégage à Tremibo, na lobi la mise en Zambe, Pasteur, Nakoto Sayosiku. En tout et pour tout, Nakoto sa pasteur Baruti po ye pasteur église Nakoto sa ye makamboloko na esili veut dire esili na telemi awa po na senga pardon na pasteur Baruti na senga pardon na sœur Baruti na senga pardon na mama Lando
na senga pardon ma sœur Mali na chopé bana nzambe belé awa pour na comportement nanga mingi ba sepeli nango te na senga mo nzambe nyonso pardon bolimbisanga nzambe pe alimbisanga ayambanga pe bien, madame, le comité de Baruti Tabedak, dans cette réunion-là, a constaté que l'attitude de maman Kalumbu n'a pas changé. Comité, il y a l'ensemble de Baruti Tabedak, na kat na mayangani o basala kiwana, ba mona kete lolenge to ezaleli ya maman Kalumbu e bongo na kite. Par rapport aux choses dont elle-même s'était repenti publiquement du haut de la chair à l'église en 2012. Le pasteur Kalumbu lui-même, ayant reconnu cela, nous demandera de lui donner du temps qu'il puisse convaincre sa femme. Et le kola mokengeli Kalumbu yemoko pe andimaki likambo yango a senga kibiso ete tope saye mwang tango pwete akoka kolobela mwasi na eto andimisa mwasi na ye et de prier pour lui a senga kipe tobonde lampo na ye parce que selon lui c'est difficile pwete kokokana na ye ezalaki likambo moko ya makasi basenga ki ye et le comité lui donnera un délai de 3 mois comité bapesa ki ye tango moko ya sanza misato parce que cette situation a trop duré poete likambona e umeli mingi na losa et dans 1 Timothée 3 5 il est dit ceci pena Timothée aliboso mokapamisa tonzamita ne le bami boyi commençons même à 4 tobanda atana mine il faut qu'il dirige bien sa propre maison et sengeli ete atambusa ndaku na ye moko malamu qui nan l'évêque mokengeli et qui tiennent ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et sengeli atambusa bana ne kat na botosi ya liloba pe kat na bosembo ya malamu. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, pwete soki moto aibiko kamanda kuna ye mokote, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ndenge nini akoya kukamba eklesia ya Nzambe. Fin de citation. Et soki wana 3. Le mercredi 7 juin 2015, le pasteur Kalumbu viendra à l'église mais ne conduira pas le culte. Bien, que c'était son rôle selon le programme établi pour la dite semaine. Il restera dans son bureau, atikalaki na bureau na ye, et demandera par le canal de diacre Odon, pe nanzana mosungi Odon, que le pasteur Mosendo le fasse à sa place. Asengete mokengeli Mosendo asala yango. Sa femme présente dans l'auditoire, mwasi na ye azalaki na kati ya losambo, ne s'assiera pas à sa place officielle. Aboyi kofanda na kiti na yo batiela ye. Elle avait choisi une autre place. Je parle de mercredi 7 janvier. Et le même soir de ce mercredi, une rumeur commencera à circuler parmi les fidèles de Baruti Tabernacle que le pasteur Kalumbu a démissionné. Yamine, le jeudi 8 janvier 2015, le pasteur Kalumbu viendra à l'église et recevra les fidèles comme d'habitude. Et le diacre Richard Lokai ira le voir dans son bureau pour s'enquérir du but, du bruit répandu la veille
sur sa démission. Nous sommes jeudi le 8 janvier. Il lui répondra qu'il n'a pas écrit une lettre de démission. Le vendredi 9 janvier 2015, il sera à l'église dans son bureau. Il recevra le frère Manda Flaubert. Kuna ayaminde commanda Flaubert et le frère Mangbaou. Nande Komangbaou. Chacun à son tour. Moto na moto ay kotala ye na tango na. Pendant il était en train de déménager, de vider son bureau. Na tango ya bandaki kobimisa biloko na bureau na ye. Il leur dira Abina bango qu'il est sorti de l'église était abimi na losambo. En évoquant comme raison et azui elonga na yango qu'il a reçu une inspiration divine na kolobete mpemela moko ya nzambe ekomela kiye que son travail en tant que pasteur associé dans Baruch Tabernacle est terminé na kotali sa ete mosala na ye lokola mokengeli molandi awa na Baruch Tabernacle esili. Il déposera ce même jour, 9 janvier, sa lettre de démission écrite jeudi, le 8 janvier 2015. Kaka mokolango moko mikoliboa sans aliboso mbuko de benazo nemitano akende opesa mokanda ya bolongwi na ye ya botiki mosala mokanda yango oyo akomaki na mokonami satu mikolo mwambe sans aliboso mbuko de benazo nemitano auprès de la secrétaire Bena. Atika Giango et pas une secrétaire Bena. Alors qu'il avait déclaré la veille au diacre Richard Lokai qu'il n'avait pas écrit une lettre de démission. Nzo kande mokona liboso et pas une amo sungi Richard Lokai alobaki ete akomaki mokande abotiki mosalate. Mokona liboso? Liboso ya mokolo wana mokona misa. Jeudi. Entre temps. Tout ce qui est, qui figure, qui se trouve dans cette lettre de démission était déjà publié à l'internet. Nzokande tango totaki na mokanda wana makamoni osu ya komangi na kati asibati yaki yango déjà na internet. Il avait même fait un interview avec Gospel Cross. Batuya Gospel Cross oyo bakomaka mingi na internet basalaki na ekutu interview. Et là le jeudi il a dit à l'internet là à Gospel Cross qu'il était sorti, il a donné toutes ses raisons. Wana mokonami ne alobaki na bato Gospel Cross ete asa bimi na ye pe alobi tina oyo ya bimelaki le jeudi na mokonami ne. Oui. Avant que nous puissions recevoir la lettre de démission qui confirme la rumeur. Six. Voici la teneur de la lettre. Kinshasa le 8 janvier 2015. Au révérend Baruti Katsongo Léonard. Et pas une amoïli même Baruti Katsongo Léonard. Pasteur de Baruti Tabernacle. Mokengeli à Baruti Tabernacle. Cher pasteur. Olinga Mokengeli. Je voudrais vous donner ici une inspiration divine que j'ai eue le 8 janvier 2015. À 0h30. Pendant que je priais et les conclusions que j'en ai tirées. Voici l'inspiration. Mon travail en tant que pasteur associé dans Baruch Tabernacle est terminé.
Je dois maintenant être libre. Et Seigneur, si quoi on a comme un bon somi. Pour pouvoir dispenser suffisamment la parole de Dieu aux enfants de Dieu dans le corps de Christ. La fonction du pasteur associé m'a lié. Est bloqué dans une église locale. À tel point que je n'ai pas de temps de visiter d'autres églises. Comme je le faisais avant. Par conséquent, je démissionne à la fonction du pasteur associé. Dans Baruti Tabernacle. Et na Baruti Tabernacle. Et aussi, je ne suis plus membre de Baruti Tabernacle. Nazali lisusu pe mondimi ya Baruti Tabernacle te. Cependant, cher pasteur Baruti, Njokande molinga mokengeli Baruti, restons vraiment frères. Totika la kaka bandeko. En parlant en bien l'un et l'autre. Tolobana malamu moko ya moninga. Comme nous l'avons toujours été. Nous serons toujours en contact dans le ministère. Et je continuerai à bénéficier de votre ministère. Et aussi je continuerai à vous respecter comme dans le passé. Tout en prêchant la sainte doctrine et en combattant les fausses doctrines. Que Dieu vous bénisse richement. Révérend Kalumbu Kiseka. Copie pour information. Conseil des diacres. Conseil des administrateurs. Et c'est signé. Parfait. Sept. Yasambo. Le comité de l'église. Comité Yalosambo. Les serviteurs de Dieu. Basan Nanzambe. Parce que j'avais fait aussi une réunion avec eux. Une affaire de 172 serviteurs de Dieu. Ici. Et quelques frères. Dont jetais le nom. M'ont demandé en tant que berger. D'aller le voir pour éviter ce scandale ou cette division. Et ils m'ont dit, il vous écoutera, pasteur. Le même samedi, là, 10 janvier 2015, pendant que je me dirigeais pour sa résidence, un frère m'appellera pour me dire qu'il m'attendait avec le pasteur Kalumbu chez lui à la maison. Pour un arrangement à l'amiable de ce problème. 8. Nous avons parlé à deux. Pendant plus ou moins une heure. Et ce frère-là était là comme un médiateur. Nous sommes arrivés à un compromis. C'est alors que je demanderai que le président des administrateurs, Bokeh, entre pour nous aider sur la manière de présenter la chose à l'église le dimanche. Président et il était entré. Et on avait mangé ensemble.
Tuliaki koba. Et nous avions mangé la tortille. Et on a pris des photos. Et tokangi pe ba photo. Et voici ce qu'on s'était convenu. Boyoka ndenge to kanaki. Qu'est-ce qui a été dit dans ce compromis? Et lokonini elobanaki katna boyokani wana. Le pasteur Kalumbu renonce à sa démission. Mokengeli Kalumbu a tiki ikambo ya bobimina losambo. Et devra venir à l'église et conduire le culte de dimanche suivant le rôle normal. Pe ekosengela ite ayana losambo mokolo na yenga. Pe akambalianga ni ndenge amesana na yango tango nyonso. Et le pasteur accepte d'ouvrir dans un certain délai une église sœur où il placera le pasteur Kalumbu comme pasteur. Mokengeli baruti ye andimi ete akofungola losambo moko na kati na ngumba esika akotia mokengeli baruti pe losambo ya mokengeli Kalumbu pe losambo ngo koza losambo moko otozali nango na boyokani comme il a fait avec le pasteur Mafuta Gauthier. Ndenge asali yango na mokengeli Mafuta Gauthier. On s'était convenu cela. Toyo kanaki bongo. Et le dimanche 11 janvier 2015, moko na inga mikolo zomi na moko sanza liboso mobuko te bana zomi na mitano. Nous constaterons nous tous que le pasteur n'est pas venu comme convenu à l'église. Biso banso to mona kete mokengeli Kalumbu ayaki na losambo te. Ndenge toyokanaki. Il avait ses raisons. Boye azalaki na bantina oyo epikisaki. Mais il ne m'avait pas appelé. Je ne savais rien. Abengaki ngai te, alobelaki ngai loko moko te. Alors que nous avions fait une entente. Nzokande tosilaki kosala boyokani elongo na ye. La Bible dit dans Matthieu 5:37. Bible elobi na Matthaï mitano tokumisatu na sambo. Que votre parole soit oui. Oui. Ete maloba na yo ezala iyo iyo. Non non. Esokolobi te ezala bobele te. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Oyo bazali kobakisa na sima euti na satana. J'ai envoyé le président des administrateurs. Na tindaki mokonzi ya likita na banyangeli. Le bien-aimé frère Boké. Moninga minde kobokie. Pendant qu'on était à l'église ici dimanche. Tango biso tozaki na losambo moko na inga. Et le diacre Nsangu. Pour s'enquérir de la situation. Et ils étaient arrivés chez lui. Ils n'avaient même pas été reçus. Même la porte. Pour que le voiture entre. Même pas reçu. Comme je vous avais promis, ndenge na la kakibino, qu'on était dans une négociation, et tozalaki kokoba na lukakoyokana. Il est de mon devoir de vous dire toutes ces choses. Yangwana lotomo epesamelingai etena lobela bino makambo oyo nyonso. La même nuit là du dimanche 11, kaka na butu moko wana moko na inga ikozomi na moko. Un frère viendra chez moi. Jusqu'à 3h du matin. Kino na 3h ya tongo. Pour me rassurer qu'il vient. Pona de chez le pasteur Kalumbu. Pona kondimisa ngai ete solo penza auti epai na mokengeli Kalumbu. Il était avec lui dans sa résidence. Et tazalaki na ye na ndako na ye. Et qu'il a accepté que les deux couples, Baruti et Kalumbu, puissent manger ensemble. Le lundi dans un restaurant à la Gombe. Et andimi ete ba couple mibale, couple Baruti na couple Kalumbu, bako kakolia moko na lundi na restaurant moko na ville. Ce frère allait amener aussi sa femme. Ndeko mbale na pe sengeki ayape na mwasi na ye. Qu'on puisse manger ensemble les trois couples. Mpoete ba couple na misato balia isika moko. Je dis d'accord. Na lobi na ndimi. Quelqu'un qui va au lit à 4h du matin.
Et le matin, j'étais en ville, je l'attendais parce qu'on devait avoir ça à 16h. Oh mon Dieu. Et qui viendrait à la Gombe, et qu'il viendrait à l'église le mercredi, vendredi et dimanche. Pour accomplir ce qu'on devrait faire le dimanche passé. Le lundi, pendant que je les attendais, le frère Boke viendra me trouver au restaurant pour m'annoncer qu'il a changé d'avis. Qu'il n'est pas d'accord avec la démarche de ce frère-là. Et indimité des marchands de combat là qui ne consalait pas naïe. Et qu'il ne viendra pas. Peut alobiété akoyate. Il a ses raisons. Azali na banti na oye azali ko kambai. Mais Jésus a dit. Kasiye soit lobi. Dans Matthieu 7:37. Na matai mita no tukumsa dona. Que votre parole soit oui, oui. Soki ni lobo olobi iyo ezabobele iyo. Non, non. Ce que le bite est à la bobelle té. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Oyo, motako bakisa, yango utina satana. Le mercredi 14 janvier 2015, nous apprendrons que le pasteur Kalumbu a quitté la ville de Kinshasa et qu'il est parti en province. Donc, il ne sera pas avec nous mercredi, vendredi et dimanche. C'est simple. Mes frères, qu'est-ce que je peux encore faire? Est-ce que je ne me suis pas humilié? Est-ce que je suis pas humilié? Mais qu'est-ce que je peux encore faire? Je ne vois pas. Alors, j'ai le regret de vous dire qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Il y avait un message. Je ne l'ai pas amené ici. Qui avait dit que le dernier, la dernière cartouche que le diable avait dans sa main, c'était quoi? Et Elisa Siasuka, oh, Zabo, la Zakinan, Bogon, les Zakinin. Hein? Comment? C'était le pasteur Kalumbu. Et Zalaki, la Zakinan Kalumbu, Bobi Minaye. Et il s'était tenu ici. Il dit, le diable ne m'aura pas. Alobi zabolo akozwangaite. Je ne sortirai jamais de cette église. Je suis derrière le pasteur Baruti. Nazali sima mokengeli Baruti. Mettez-moi ça. Botelanga yango. Que ce réveil n'est pas un réveil dénominationnel. Car voilà bientôt plus de 20 ans. Ce réveil continue. Il n'a jamais été éteint. À l'Exode chapitre 17, verset 11 à 12. On soutenu les mains de Moïse. Nous, les pasteurs associés. Pasteur Landu, Kalumbu et Musendo, nous
soutenons notre pasteur Baruti Kasongo. Et nous continuerons à le soutenir. C'est pourquoi nous invitons toute l'église ensemble avec nous d'être derrière notre pasteur pour la continuité de cette œuvre. Et nous vous invitons également d'être unis comme un seul homme derrière le pasteur pour que cette œuvre que nous avons commencée puisse aller de l'avant, car le monde entier nous regarde. Quand Dieu vous donne un don dans une contrée, dans le monde, venez autour de ce don comme un seul homme derrière notre pasteur dans l'unité recommandée par la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chaque enfant de Dieu. Qui a marché selon la parole de Dieu. Qui nous a soutenus jusqu'à ce jour. Et nous avons confiance que nous continuons ainsi, si telle est sa volonté, jusqu'au retour de Christ, jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Que le don que Dieu nous a donné, nous devons être autour de ces dons. Nous devons soutenir ces dons. Mais vous ne pouvez pas séparer les dons d'un homme. Comme je vous ai dit ici, et j'ai dit aussi à ses frères, pourquoi ces gens invitent le pasteur Baruti? Même les gens qui ne croient pas comme nous, il appelle de partout. Qu'est-ce qu'il voit? Donc ce sont ces gens-là qui viennent autour du don. Donc ce que j'ai dit, je ne me suis pas trompé. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et pour terminer, je voudrais dire ceci. Comme je l'ai dit ce jour-là, à l'Assemblée chrétienne de Rigini, nous sommes la femme du pasteur Baruti qui est ici. Nous devons tout faire pour gagner le cœur de notre mari. Amen. Amen. Ne laissez pas d'autres femmes pour aller prendre le cœur de votre mari. Nous aimons notre mari. Et nous voulons être derrière notre mari. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Ah, que d'autres femmes viennent nous donner des leçons. Oh, votre femme ne vous aime pas. Oh, moi aussi, nous ne voulons pas ça. Et nous voulons demander à Frère Baruti qu'il soit en paix. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Qu'il ne soit pas troublé.
ni de loin ni de près. Vous me suivez? Ozakoyo Kangai. Vous voulez connaître la vérité? Comment quelqu'un peut parler comme ça? Et dire qu'il reçoit encore une inspiration divine? Lui disant de quitter ses fonctions et de sortir de l'église. Vous voulez connaître le secret? Il doit y avoir quelque chose. Qui veut connaître le secret, levez la main. Moi aussi. Je vais vous aider. Le secret, c'est mon élection. Ezali boponi oyo bapona kingai mokengeli na losambo. Il ne l'avait jamais accepté. Ye atikalaka kondima yango te. Ça fait 24 ans et nous entrons dans la 25e année. Eleki sika mibu tukumbale na mine awa tozali kokota na oyo tukumbale na mitano. Il en avait parlé à sa chère épouse. Ce n'est pas la faute de la femme. Que lui, il avait été choisi pour être présenté par le comité. Et la femme attendait que lui soit présenté pour être voté. Dans l'église. Mais qui a été présenté? C'est le pasteur Baruti. Et les gens m'avaient voté. Depuis, c'était quelle date? 1990. Hein? Le 29 mai. Ok. Ça, c'est sa lettre. Oyo, Nazali Kotali Sabino Awa. J'ai reçu cela le lundi 8 septembre 1997, il y a 18 ans. Les observations sur la marche de l'Assemblée de Rigini. Ezali lolenge ye atalisaki etambo eli ya losambo ya Rigini. Il y a 18 ans. Eleki mibu zomi na mwambe. Il dira clairement ye nakadna mokandoyo alobi polele. Il dit une réalité incontestée. Abi ezali likambo ya solo eyebani moto akoko telemela ngote. Il dit une réalité incontestée dans votre, dans notre église. Autour de frère Kalumbu. Zonga zonga nandeko Kalumbu. Je suis en train de lire sa lettre. Et il dit ceci. Son élection au pastorat. Je vais vous apprendre une chose. Quand je suis devenu pasteur, je ne les avais pas fait voter. Je les avais cooptés. Parce que je savais qu'ils seraient rejetés. Parce que le pasteur de Shekinah, pendant 2 ans, il a prêché qu'eux n'avaient pas de ministère. Il
Je crois que quelques-uns vous le savez. Il prêchait sur Ephésiens 4. À cette époque-là, pour que quelqu'un soit pasteur d'une assemblée locale, il devait déclarer qu'il n'avait pas de ministère. C'était une erreur qu'on avait nous tous. Mais moi j'avais dit que j'avais un ministère. C'est pour cela que je ne pouvais pas être pasteur d'une assemblée locale. Selon l'erreur qu'on avait dans la compréhension de l'évangile. Je voudrais être sincère. Quand le pasteur Mbombo a démissionné, tellement le pasteur Dioka l'avait vraiment écrasé. Nous avons fait la réunion du comité. Mais dans cette réunion du comité, nous avions voté le pasteur Kalumbu pour qu'il soit présenté à l'église comme pasteur. Frère Diamen, il est là. Ndeko mobile Diamen, est-ce que vous allez? Malade. Mon Dieu. Frère Baruti est là. Ndeko Baruti Moulamba, vous allez? Oui. Et quand on a voté, Petango Toponaki. Moi, je suis allé le féliciter. J'étais chez le pasteur, le diacre Chibango. L'administrateur Chibango. Mais voici ce que je lui avais dit. Il y a des milliers de personnes qui sortent. Ils ont déjà eu une place entre Lemba et Matete. Toi, yo, et Mbombo, Nambombo, on vous a grillé, et le frère Kalum, et le frère Landuis. Kuna, basili si bino lo poso, bino misatna, papalando azalwan. Je lui ai dit, Natuni, est-ce que tu peux relever ce défi? Est-ce que yo, oko kakosili satembe oyo? On avait perdu 4000 personnes. Et le pasteur Dioka était déjà à Brazzaville. On nous dira qu'il est à Sibiti. Mais derrière, les gens partaient. Et le frère Muzomwe, c'est lui qui dirigeait ce groupe qui était divisé. Qui connaît ça? C'était terrible, mes frères. Pasteur, tu connais? Alors, je lui ai dit, c'est comme déshabiller Saint-Pierre. Pour revêtir Saint-Paul. C'est la même chose. Mais si l'église te vote comme pasteur, je te donne ma parole d'honneur. Je te soutiendrai. Et c'est le pasteur Landu qui devait le mardi là présenté à l'église le pasteur Kalumbu. Et nous sommes venus le mardi. Et personne n'a été présenté. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Le pasteur Kalumbu, Landu dira que le pasteur Kalumbu a... Il n'a pas aspiré. Il a démissionné. Mokengeli Landu a pesi anarobiete, Mokengeli Kalumbu. Mais j'ai dit, il fallait nous le dire. Il ne peut pas démissionner parce qu'il n'avait jamais été voté comme pasteur à l'église. Merci. Et nous sommes rentrés chez le frère Chibango.
Qui était là à cette époque-là comme... Ah, merci. Qui était là? Vous étiez dans le comité. Vous étiez dans le comité. Papa... Et tu étais dans le comité. Le frère Diameni dira. Ndeko mobali Diameni alobi. Lui que nous avions choisi. Ye oyo biso to bonaki. A démissionné. Aboyi kosala mosala yango. Donc il n'aspire pas. Naboye azali atalisi mposa ya kosala mosala yango. Donc maintenant celui que nous voterons ici au comité. Sikoyo moto biso to kopona na comité. Toi aspirer. Et sengela atalisi mposa ya mosala yango. Alors nous poserons la question, qui veut devenir, qui aspire à la charge d'évêque de l'Assemblée de Rigini? J'ai levé ma main. Pourquoi? Frère Nzodi était venu me voir. Il m'a dit, Dieu m'avait dit de te dire que c'est toi le pasteur de Rigini. S'ils ont des troubles et toutes les divisions, c'est à cause de toi. Reprends ta charge. J'ai tremblé devant Nzodi. J'ai dit, j'aspire. Je peux relever le défi. Si je vous dis que je ne peux pas relever le défi, je suis, alors je serai un menteur. Je suis capable de relever l'église de Rigini. Nous avons attendu jusqu'à 21h. On posait la question, qui veut encore aspirer, puisqu'on peut avoir 10 personnes et on va voter. Personne. Et ils m'ont voté dans le comité. Amen. Amen. Et pendant qu'on m'a voté, je vais vous faire rire un peu. On avait aussi voté Dioka. Alors qu'il avait déjà divisé l'église, il était à Sibiti. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des enfants. On est adultes. Et on avait voté encore le frère Kalumbu. Il y avait deux personnes. Alors qu'il avait écrit qu'il n'aspirait pas. Et ils avaient voté encore le frère Mbombo. Et Mbombo a ri. Mbombo a séki. Ils avaient presque deux semaines. Moi j'ai démissionné. Comment le comité peut me voter? Bref, je devais être présenté. Et j'ai été présenté. Et j'ai été voté. Dans un climat malsain. Na climat moko penza ya kitoko te ya mabe. Tango moko ya pasi. Na tango penza ya mabe ya pasi. On a perdu 4000 personnes. Tobungisaki batoko to mine imobimba. 430 étaient contre moi. Et batoko to kama mine na tokomisa to bango baponaki ngai te. Et 1000 m'avaient voté. Et batoko to baponaki ngai. Je suis passé, c'est la démocratie, non? Na leka kimpo te zaki boponi ya bonsomi ya bato. Qui a été déjà rejeté comme ça? Nani bato basi baboya ye bongo. Et moi j'ai coopté Kalumbu et Landu pour qu'ils puissent travailler avec moi. Nazui bango comme associé. Ngai nazui Mbombo, Kalumbu na Landu po basana ngai mosala lokwa balandi. Même seulement pour chanter, on appelle l'Ifoko. C'est vous qui avez appelé l'Ifoko. Attends pour na koyemba. Papa Landu c'est lui qui était le conducteur. Il a dit, il faut qu'on chante nous un cantique là. Il a dit, Longwa. Ah bien, allez, va-t'en. Et il est sorti. Qui était là? Abimi. Tous les 400 là. Peba Kamamine na tukumisa tuana. Sortez ce jour-là derrière lui. Oba ponaki ngaite babimi na yende. J'avais pris une église presque morte. Na zwaki losamo moko ezaki penza ya kukufa. Et on nous a chanté Ikabot. La gloire n'est plus. La gloire a quitté Rigini. Kembo ebimi na Rigini. Comment? J'arriverai à ça.
Je veux vous lire ce qu'il dit de ça. 18 ans. Il dit ceci. Une réalité incontestée. Autour de frère Kalumbu, son élection au pastorat, sa démission, l'élection de frère Baruti au pastorat, c'est ce que je viens de vous dire. C'est quoi? Il a appelé ça une réalité incontestée. C'est ça le problème. Il avait raconté ça à son épouse. Son épouse pensait que c'est lui qui passera pasteur. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a été voté. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'acceptait pas comme son pasteur. Comment quelqu'un peut parler comme il a parlé là-bas et sortir? À la première page, il dit ceci. Il y a deux visions différentes dans cette église. Il dit, j'ai constaté que tout ce que les gens constatent comme conflit apparent, c'est parce que nous avons deux visions différentes sur la conduite de l'Église. La vision du pasteur Baruti et la vision du pasteur associé Kalumbu. Deux visions différentes. Il y a 18 ans. Écoutez. Boyok. Maintenant, il attaque les juridictions. Sikoyo, awa zali kobundisa ba juridiction. Dans sa première page. Na lokasaka libosu. Donc il n'était pas d'accord avec les juridictions. Ye asepela ki ba juridiction ezalaka te. Il ne veut pas. Alinge ezalate. Ça c'est la première chose. Wanande lokasa libosu. Nous avons deux visions. Twalina lolenge mibale ya komona. Deuxième chose, il est contre les juridictions. Ya mibale azali kotelema na ba juridiction. Et à la page 3, il dit l'entourage du pasteur n'inspire pas confiance. Na lokasa misa twalobi ete entourage ya pasteur ezali penza kopesa ye elikete ya elikete. Et l'entourage du pasteur, c'est pas les gens qui sont là ici aujourd'hui. Entourage ya pasteur ezali batoyo bazali awalelote. Tous les diacres. Ezali basunginyos. Tous les ministres autour de moi. Ça lui inspire pas confiance. Frère Ngiamba me taxe d'avoir entamé une procédure biblique contre le pasteur. Donc il est contre Ngiamba parce que Ngiamba constate qu'il est en train de me poursuivre. Et puis il dit, il parle de frère Bélessi. Azo banatina ndeko Bélessi. J'ai intervenu après la prédication de frère Bélessi. Oh, na bakisaki mama lobasi malité ndeko Bélessi. Oh. À l'école de dimanche, qui était diacre? Et azaki mosungi na etelo na moko na enga na ateki na etelo na moko na enga. Parce qu'il me taxera de vouloir être une deuxième tête dans l'église. Alobi mpo Bélessi, alobi et ngai na lingi koza lokola mutu ya mibale na kati ya eklesi. Bélessi a prêché. Bélessi a teina yi. Si Bélessi a dit une chose. Soki Bélessi a bagelo komoko. Normalement il devait venir me voir. Ye esengela ki aya komona ngai mokenge. Non, lui monte et corrige Bélessi. Ya mate a bandi mbala moko ko sembola Bélessi. Vous voyez, deux têtes étaient déjà là il y a 18 ans. Mitu mibale ezalaki awa elekimbo la zomi na mwambe. Bref, le la réaction de tous les diacres ce jour-là. Namokuse et malobana basunginyo so namokolwana.
Il cherchait, il montait clairement, il cherchait à m'avoir. Bazalaki koluka ete batsuanga na mutambu. Dans un problème. Na likambo moko. Pour qu'il puisse m'abattre. Po ete babo mangai malamu. Tous les diacres. Wana siko alobeli basungi nyoso. C'est dans l'entourage du pasteur. Wana entourage ya mokengeli. Vous pensez que ça a commencé aujourd'hui l'entourage du pasteur? Bino bokansi ete koloba entourage ya mokengeli bandi lelo. Landu. Landu. Entourage du pasteur. C'est la page 4. Entourage à Mokengeli. Il dit ceci. Allo Biboui. Il préfère dire à la chair. Ce gamatine était là, à Sebelakamingi Koloba. Je laisse l'église aux deux associés. Natiki lo sambo na bakengeli balandimi balé. Kalumbu et Landu. Kalumbu na Landu. Et même ne rien dire. Et ce qui peut amener madame à Koloba peut être comme côté. Et s'en aller. Peut accueillir naibon. Dans l'un ou l'autre cas. Et ata lobité. C'est toujours frère Landu qui reste avec l'église. Tango nyo soka kande kola nunde atika la kanalo sambo. Non, c'est lui que je à qui je remettais l'église. Te na bané côté kalo sambo na maboko na. Je me suis dit, nous n'avons que deux associés. Nabito zali na ba kengeli balandika mi. Je vais les laisser tous les deux. Faire le travail. Pendant que je suis aux États-Unis. États-Unis. Il dit non, 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 non. Habité. Même quand je dis que je laisse avec le pasteur, l'église avec les deux associés. Mais c'est toujours le frère Landu qui reste avec l'église. De sources proches qui lui parlent. Abina na makambo penza na yoki kouta na bato bazapa pembe na pasteur. Est-ce que c'est la sécurité ou quoi? Abiko uta na bato bazali ko zingela ye na yoki makambo. On dit que le pasteur n'a pas tellement confiance à frère Kalumbu. Bazolo bake mokengeli penza za na confiance mingi na mokengeli Kalumbu te. C'est lui qui dirigeait la maison de don. Yende motoze ko kamanda kuna makambo. Et souvent il était aussi malade. Et mbala mingi pe abande ko bela. Je lui adjoint Landu et Panzu. Nazi Panzu. Écoutez ce qu'il dit. La présence de frère Panzu, la présence de frère Kalumbu dans la maison de Don n'est pratiquement qu'une étiquette. Mon Dieu. Le pasteur préfère travailler plutôt avec le frère Panzu. Donc, entourage du pasteur Panzu. Entourage à pasteur. C'est l'esprit politique. Alors bien, ça mon limo ya politique. Qui s'est même révélé lors de l'octroi des voitures. Oye moni sama ki atatango ba pesa ki biso mituka. Donc il veut dire que la voiture que j'avais donnée à frère Landu était meilleure à la voiture que je lui avais donnée. Alingi kobete mutuka na pesa ki ndeko Landu et le kaki oya yi. Moi je ne comprends pas. C'est écrit. Nga naza ko sosola yango te komami. Donc, quand on parle aujourd'hui de l'entourage du pasteur, ça a commencé il y a 18 ans. Et Ningo Balelo, ce qui va se faire, entourage du pasteur, et Banda, Utambula, n'entrez pas dans ce problème, le diable est là-dedans. Boko Tanamakambo était Satanazana Sekuna. Il était contre Ngiamba, contre Belessi, contre Mali, contre Panzu. Atenema Ngiamba, Belessi, Mali, Panzu. Landu. Landu. Et il dit ici, à ma lettre sur le principe biblique, donc, il ne faisait que m'écrire des lettres. Frère Mali me dira que je prétends connaître plus que le pasteur Baruti. Donc il était aussi contre Mali. Bien-aimé, Balingami, je n'ai pas encore terminé mon histoire. Nana Sisili Solo Nangaite. Il traitera l'Assemblée chrétienne de Rigini d'une dénomination. Ye abengaki lo sambo oyo ya Rigini et ezali ebongiseli. L'esprit organisationnel, tendance ou dénominationnel. Alobaki ete page 3. Na kati ya lo sambo ezana molimo moko ya ebongiseli. Pas de liberté de prêcher la parole comme l'esprit le révèle.
Et surtout que le mot pasteur ne soit pas cité. Donc lui veut, quand il prêche, il dit que le pasteur Baruti est faux ici, le pasteur Baruti est faux là-bas, dans mon église. Et Il a dit, pour la doctrine, c'est entre le pasteur et son église. Même s'il veut enseigner à son église la doctrine de témoin de Jéhovah, cela ne regarde que lui et son église. S'il veut me corriger, qui me voit à côté? Et qu'il me dise là où j'ai tort. Mais lui dit, pas de liberté de prêcher la parole comme l'esprit le révèle. Et surtout que le mot pasteur ne soit pas cité. Tout ce qu'on peut dire sur le pasteur est jugé par rapport à la personne de frère Baruti. Vous pensez qu'une église peut avancer avec quelqu'un qui va tout le temps parler contre le pasteur? Dans sa chair, moi je crois pas. Et il nous traite de dénominationnels à cause de ça. Maman Alikambo. Et voici maintenant la problématique. Là où les Romains s'empoignaient. Page 5. Gestion financière. Alors, gestion financière. Gestion à Misolo. Mon solo. Maman Alikambo. Écoutez sa vision. Boyoka lolenge na komona makambo. Dans l'un ou l'autre cas, na lolenge moko to lolenge mosusu, l'argent de la dîme, de dîme, mbongo ya moko na zomi, n'est pas une propriété du pasteur. Ezali ya mokengelite. C'est l'argent de Dieu. Ezali mbongo ya nzambe. Pour ceux qui travaillent à l'hôtel. Pona batonyo so bazali kosa mosala nete. Ceux qui prêchent l'évangile. Donc, quand la dîme sort, j'appelle mes pasteurs à s'associer puisqu'ils prêchent. J'appelle quelques diacres. Combien de diacres prêchent chez nous? Diacre Kuka. Diacre Ilunga. Diacre Kalonji. Qui encore? Nani Soussou. Hein? Ben Kalambaï. Abengi Ben Kalambaï. Devenez frère. Nabi Bouya Bouya. Et j'appelle aussi le directeur de la SNEL. Nabengi Pe directeur de la SNEL. Bokele. Bokele Yakayopote. Bokele vient. Et j'appelle tous ceux qui prêchent. Nabengi Bonyo Soubaza Kotea. Mbon et Bimia et Bimi 5000, pardon. Moi, ici nous avons 5000. Le même mois alors. Wanaga Sanzamokwan. Yo Kabate. Toi tu prends ton argent. Toi aussi tu prends. Yo Kabate. Toi aussi tu prends. Yo Kabate. Toi aussi tu prends. Alors, si vous faites ça, dans un an, vous aurez ici dans notre église ici 1000 prédicateurs appelés par Dieu. Dans leur vision, vous allez voir ça comme. Koto Mobimba. Frère Banam a dit, la dîme revient au pasteur. Moko na zomi ezaya mokengeli. Freneville avait un salaire. Ndekoneville azalaki na salaire naye. Mais frère Branham donnait la dîme de la dîme à qui? À la Croix-Rouge. Pende ko Branham azako pesa moko na zomi ya moko na zomi na Croix-Rouge. Il donnait 9 dixièmes. Azako pesa libwa liko na zomi. Dieu a dit non. Nzamba lobite. Donne un dixième. Pesa moko liko na zomi. Le 9 dixièmes là c'est ton argent. Libwa liko na zomi wana eza mbongo na yo. Il a mis ça dans un compte. Atiango na compte moko. Qui aide la voix de Dieu aujourd'hui. Oyo lelo eza kosunga la voix de Dieu. Là où les Romains s'empoignaient. L'argent. Mpifo. Voici la conclusion.
Boyoka Malobanaya Suka. Il y a incompatibilité de travailler dans une même église avec le pasteur Baruti. Alobi lolenge akosala mosana mokenge baduna kana losa momoko ez ya na boyoka ni ezalite. Sinon, l'œuvre de Dieu n'avancera pas à Rigini. Et pambate mosala na nzambe ekokenda libosote awa na Rigini. Je vais vous lire exactement ce qu'il dit. Nakotanga bino penza oyo ya zali koloba. Conclusion. En vous exposant tout ce qui précède, je n'ai aucune intention de vous pousser à changer quoi que ce soit. Mais c'est de vous montrer qu'il y a une certaine incompatibilité de travailler dans une même église. Si nous avons le souci de faire progresser l'œuvre du Seigneur, donc si nous le laissons là-bas dans l'assemblée de Rigini, c'est que l'œuvre du Seigneur ne progressera pas. Je vous invite qu'ensemble nous puissions trouver une solution appropriée en vue de sauvegarder l'unité et la communion fraternelle. Vous voulez connaître la solution? Je vous proposerai. Pour ne pas exposer toutes ces choses à l'église. Que nous puissions ouvrir une autre église dans un coin de la ville. Moi, Mosika, awana kadne ngumba. Et d'installer le frère Kalumbu. D'installer le frère Kalumbu en invoquant les raisons de la surpopulation dans l'église. La grandeur de la ville et l'efficacité même du travail. Pourquoi? La nature de vouloir intervenir toujours. Pour redresser certaines choses se trouve en moi. Je ne peux m'en passer. Et je ne voudrais pas que cela soit étouffé. Car cela est lié à la charge qui est en moi. C'est ce qu'il a demandé il y a 18 ans. C'est ce qu'il a demandé le samedi quand on était dans la maison de ce frère-là. Est-ce que maintenant vous comprenez? Est-ce que c'est quoi le sens? Quelqu'un qui avait une grossesse, moto. Un jour ça doit sortir. Et nous devons l'aimer. Et c'est notre frère. Il est serviteur de Dieu. Mais pour Rigini, il ne veut plus. Aboi. Vous n'allez pas le forcer. D'ailleurs, tout homme bon. Si yamalamu, se trouve une bonne femme. Moi, si malamu azali. C'est ce que le prophète a dit. Yangonde mosakoli alobi. Frère Balaam dit ceci. Ndeko bangana mabiboye. La seule façon, lolenge bobele moko, pour ce pasteur de ne jamais pouvoir quitter, pona mokengeli molandi akoka kolongwa na losambo. La seule façon pour ce pasteur de jamais pouvoir quitter et que ce pasteur déciderait lui-même de partir. Hébreux chapitre 7 verset paragraphe 277. Et tant à Sango, Kamami Balé, Tuku, Sambo na Sambo.
Mais voici le conseil que je vous donne en tant que votre pasteur. Kasiboyo katolinga nazope sabino lokwa mokengel nabino. Dans l'influence des nôtres. Na kokonzama toko benda mana moto mosusu. Prenez garde. Bokeba à ce que vous faites. Na oyo bozali kosala. C'est le paragraphe 88. Etena sangotoko mwambe na mwambe. Suivez toujours celui qui est influencé. Bola ndango nyonso moto oyo azali kobendama et soutenu par Dieu. Na nzambe pe azali kosungama na nzambe. Et donc vous savez que Dieu est avec lui. Pe moto oyo bino boyebi ete nzambe azali elongo na ye. Ne suivez pas la mauvaise influence. Bola ndako bendama ya mabete. N'essayez pas de prendre la place d'un autre. Komeka kozwa esika ya moto mosusu te. Il parlait du roi Ozias, Ozias qui a voulu faire le travail des sacrificateurs. Et il avait eu quoi? La lèpre. Paragraphe 115. La lèpre. Malade Nambala. Je préférais à coup sûr avoir la lèpre que ce genre de lèpre. Nesika ya mbala ya lolengo yoboye. Car c'est la lèpre de l'âme. Voyez-vous? Quand vous vous levez et sortez, vous êtes à ce moment-là même couvert de lèpre. C'est la lèpre de l'âme. Ozias s'endormit probablement. Paragraphe 116. Et Tembezalite Ozias a koufaki. C'était la lèpre du corps. Ezalaki malade nambala nanzo. Il était avec ses pères. Comme dit la Bible. Bakunda ki esika bakunda bakoko. Car il était sauvé. Po abiki samaki. Il avait simplement fait quelque chose de fou. Ya salaki bobele eloko moko amabe. Mais quand vous le faites en connaissance de cause. Kasi tango yo zali kosala yango osi oyebi likambo. Vous attrapez la lèpre de l'âme. Malade nambala ya molimo ekobeta yo. Alors il n'y a pas moyen de faire entrer l'âme d'un lépreux. Wana ndele zali tempo na kokotsa molimo ya moto na malade nambala wapi? Au ciel. Na lola. Oh moi je comprends. Oh. Je sors. Na naza kososola na yibi malamu na bimi. Il dit vous le savez. Alobi lelo boyebia. C'est influence des nôtres. Ezali kobenda mana moto mosusu. Prêcher le 13/10/62. Edemi galozo mena misa do sanza zomi mo. Paragraphe 88. Moto mana mbalete na sangotu ku mwambe na mwambe. 115 et 116. Et mokama na zomi na mitano pe mokama na zomi na motoba. C'est ça le conseil que je vous donne. Wanande toli na pesi na bino. Je m'arrête là. Na suki wan. Non, parlez plus. Bolobelango. Moi, je n'en parlerai plus. Ngai pe na kolobelango li susu te. Voici la prophétie de notre pasteur Kalumbu. Boyo kalisa kolia mokenge na biso Kalumbu. Quand le jour même, j'avais parlé sur le pasteur Mali. Mokolo na lobaki makambo ya mokenge li Mali. Il voulait mettre ça dans tous les murs de l'assemblée de Rigini. Ah, senga ki te bati yango na bitutu nyonso ya losambo ya Rigini kuna. Leçon que j'ai tiré des derniers événements qui se sont produits dans l'église. A combien de l'été yangaï na zui, ko uta na makambo asuka oye uti ko lekana na ecclesia. Et surtout celui du 4/8/2013. Ko lekana mingi na makambo mokolo mikolo mine isanza mwambe mubukote bena zomi na misato. L'épée de Dieu est suspendue sur l'église. Mopanga na nzambe etelemi likolo na ecclesia. Chacun doit examiner profondément son cœur. Moto na moto sengeli asenzela na bokebi nyonso na motema na ye. Ses sentiments. Et son attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Et vis-à-vis de son attachement au pasteur Baruti ou à son ministère. Dieu est prêt. Est capable d'utiliser le pasteur Baruti. Pour chasser de l'église, même si vous étiez physiquement, apparemment, humainement, attaché à lui. Pona kobengana losambo oyo ata sokoza laki na ndenge ya nzoto molimo to na nyoso okangami na ye. Alors que votre cœur n'était pas pur. Na tango motema no ezalaki petote.
Si cela dépendait de frère Baruti, il vous gardera. Mais comme c'est Dieu qui est en train d'exercer le jugement, le pasteur Baruti lui-même exécutera la volonté de Dieu malgré lui. Mokengeli Baruti yemoko akosalela mokano na nzambe kozanga kolanda na mokano na yemoko. Et malgré ses sentiments. Et kozanga pe kotala na bamposa na yemoko. C'est ce qui m'a fait pleurer ce jour-là. Yangondele lisenga yemokolo wana. Le 4 8 mois 2013. Mikolomine isanza mwambe mubuko to benazana misa. Ainsi Dieu est en train de purifier son église. Na yangonzambe azali ko petola ecclesia na yemoko. Et il n'épargne personne. Mpe akobomba motote. Que chacun s'ajuste avec la parole de Dieu. Moto na moto ami longo banisa na iloba na nzambe. En fuyant loin de l'hypocrisie. Na kokimaka mosika na bokosi. De la malice. Et mosika na mayele mabe. Et de la ruse. Et pe mosika na makamo na sese. Kalumbu kiseka kola. Kalumbu kiseka kola. Pasteur associé de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Mokengeli molandi ya Assemblée chrétienne à Rigini. Ah, comment quelqu'un qui reçoit une telle inspiration va recevoir une autre inspiration contraire, totalement contraire à ça? Bien-aimé, balingami, j'ai tout dit. Na lobi nyonso. Dieu Nzambe est en train de faire quelque chose. Azali kosala eloko moko. À moins que tu sois aveugle. Moi je vois que Dieu est en train de faire quelque chose. Vous le voyez aussi? Est-ce que vous allez comme on a? Purifions nos cœurs. Topé to la mité manabiso. Purifions nos âmes. Topé to la mili manabiso. Jésus va venir bientôt. Yesu azali kozonga kalamingiti. Nous avons tout fait to sali nyonso pour qu'il n'y ait pas de scandale. Pour être mobulu ezalate. Et nous avons échoué. Peto kwei. Mais Dieu n'a pas échoué. Kasi nzambe akweite. Peut-être que Dieu est là-dedans. Mbala mosusu nzambe azana kati alikambo yango. Vous risquez de combattre Dieu. Likama ezali obundisa nzambe. Nous devons l'aimer. Esenge to linga ye. Et prier pour lui. Tobon de l'amponaï. Et protéger nos langues. Peto batela nde monabiso. Prions. Tobon de la. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata mbisona likolo. J'ai expliqué clairement, Seigneur. Na talisi na polele nyonso nkolo. Je crois qu'il n'y a plus d'ombrage. Et na kanisi ete eloko ya molili ezali susute. Tes enfants ont compris. Bana na yo basosoli. Bénis l'assemblée. Pambola lo sambo. Chrétien de Rigini. Et lo sambo et à Rigini. Sois avec nous, Seigneur. Zala elongona biso nkolo. Protège-nous de cet orage. Batela biso na mopepe oyo. Nous ne voulons pas de division. Biso tolingi ou bokabonite. Si ce frère, notre bien-aimé frère, nous avons travaillé presque 40 ans. Sokindeko oyo molinga mindeko na biso tosale mosale longo koleka mibutu komine. Tu veux qu'il retourne, tu es capable de le faire. Sokolingi te ye azonga bobele yondo za na makoki ya kosala. Que ta volonté soit faite. Mokano na yo esalema. Et béni Baruti Tabernacle. Pe pambula Baruti Tabernacle. Au nom de Jésus-Christ. Na komona Jésus-Christ. Amen. Amen.